Bonjour. Qui dit nouvelle année dit souvent bonne résolution. Alors aujourd'hui, nous allons parler des bonnes résolutions. Nous partirons d'un micro-trottoir et ensuite vous pourrez commenter et partager vos commentaires. Alors, c'est parti. On va donc commencer avec l'audio. Voici l'audio et voici également la consigne. Donc, en quoi consiste cet exercice? Vous allez écouter l'audio du micro-trottoir et ensuite, vous allez placer les cartes dans l'ordre des résolutions. D'accord? Alors, c'est parti. Bonne écoute. Bonne résolution? Bof. Faire mes devoirs, voilà. Bon, ranger ta chambre, ça c'est une bonne résolution, non? Faire mouille. La cigarette diminue progressivement, petit à petit. Être un peu plus gentil, un peu moins énervé. Faire la méditation, yoga, voilà. Faire attention à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, se reposer et toujours avoir une bonne activité physique. Faire du basket plus souvent. Bon, c'est vrai qu'on a forte influence au mois de janvier, quoi. Comparé au mois de novembre et décembre, on a plus bien 60-70%, quoi. Ils viennent tous pour s'inscrire, éliminer un petit peu les trop-pleins de Noël et Nouvel An. Ils viennent les 2-3 premiers mois et après, c'est vrai qu'ils viennent plus pendant 4-5 mois, puis ils reviennent après. C'est pas régulier, quoi. Oui, voilà, on les tient pas finalement. Donc au début, et puis après, on les oublie. J'attends pas la nouvelle année pour prendre de nouvelles résolutions. Voilà. Alors, une fois que vous avez écouté le document audio, si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez l'écouter une deuxième fois. Et vous commencez donc à placer ici les bonnes résolutions dans l'ordre. Alors, moi, je les ai déjà placées dans l'ordre. Alors, une des premières résolutions du petit garçon, c'est faire les devoirs et ranger sa chambre. Le monsieur, il disait qu'il allait arrêter de fumer. Une dame également, elle disait arrêter de râler, de se plaindre. Méditer, bien manger, donc changer son alimentation, se reposer et garder la forme. Alors ensuite, vous allez cliquer ici pour voir si vous avez bien mis toutes les résolutions dans l'ordre correct. Voilà, donc vous cliquez et vous avez ce message qui s'affiche. Bravo, tu as trouvé la bonne solution. Ok. Si vous n'avez pas trouvé les bonnes solutions, vous pouvez réécouter le document une deuxième fois et mettre les résolutions dans l'ordre. Alors, maintenant, c'est à vous. Est-ce que vous attendez donc le nouvel an pour prendre des résolutions? Et quelles sont ces résolutions? Alors, par exemple, de mon côté, j'ai décidé de changer mon alimentation et de mieux manger, par exemple. Je vais peut-être adopter un régime végétarien, je pense, à partir de cette semaine, d'ailleurs, pour mieux, justement, pour être en pleine forme. Donc, la grande question, c'est est-ce que je vais tenir ces résolutions longtemps? Bon, bah, j'espère commencer ce régime et le finir. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous attends très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.